Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Fragix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée en domination sur Firing Range. Donc, Firing Range, si on le fait avec l'accent anglais. Donc, une petite partie en domination sur le très attendu et très très bon jeu Call of Duty Black Ops. Je pense certainement qu'il va être le meilleur jeu de l'année. Notamment en vue des ventes qui ont dépassé les ventes de Modern Warfare 2. Donc pour la petite info, Modern Warfare 2 s'est écoulé à 55 millions d'exemplaires, alors que Black Ops est passé aux 65 millions. Donc à peu près la population de la France, quoi. Et donc bravo à Treyarch et à tous ceux qui ont réalisé le jeu, parce que c'est vraiment réussi. Et c'est une très belle œuvre vidéoludique. Donc là j'ai ramassé un AK-47 silencieux, qui est très très beau avec ce camouflage dont j'ai oublié le nom. Enfin, je sais qu'il est vers les Arctiques comme camouflage, mais je me rappelle vraiment pas du nom. Et donc là on fait la technique, enfin, c'est juste l'atout en fait. C'est avec Implacable Pro, donc vous pouvez changer le contenu de votre colis stratégique en appuyant deux fois sur carré. Bon, là j'ai changé, c'était des munitions et je me retrouve avec un drone de brouillage, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle, contre-avion espion ou un truc comme ça. Traduction un peu boiteuse, quoi. Et en fait on a découvert, on n'est pas les seuls à le découvrir, notamment Bismode l'a découvert, que avec par exemple la tourelle anti-aérienne, donc SAM tourette en anglais, vous pouvez aussi changer le contenu de ce colis, parce que la tourelle anti-aérienne balance un colis. Donc vous pouvez le changer exactement comme un colis stratégique normal, et ça marche aussi avec la tourelle normale. Donc il balance un colis et donc ça fait rapidement la fort au colis. Donc moi je sais pas, quand j'ai trois colis ça me fait vraiment plaisir. Par contre si ça devient trop... Si ça se... Je sais pas comment dire, si ça s'expand trop, beaucoup de joueurs vont se retrouver avec des gunships, donc des chopper gunners, enfin c'est les mitrailleurs hélico. Ça va être vite on pourra même plus jouer tellement il y aura d'hélico et tout, et j'espère que pas énormément de monde vont le trouver. Après, j'en suis pas sûr parce que la vidéo, donc surtout de Beast Mode, va le faire découvrir à certains. La mienne, pas autant que Beast Mode, mais peut-être à certains également. Par contre, là, je suis dans le respawn et je l'avais même pas vu. Pourquoi je suis parti là, quoi? En plus, je continue de partir, c'est n'importe quoi. J'espère que ça va pas trop s'étendre. Voilà, c'est s'étendre le mot que je cherchais, c'est pas s'expandre, ou je sais pas trop quoi, je sais même plus parler. Alors là, les roquettes Valkyrie, je trouve qu'elles sont assez difficiles à manier, mais au moins ça fait des kills, quoi. Et là, donc, mon coéquipier de la team Addict, Addict Ecstasy, donc, qui a eu un gunship, j'ai oublié la traduction française. Puisque maintenant je joue avec le Black Ops en... Je joue avec Black Ops en anglais. Parce que les voix françaises sont vraiment bâclées, si je puis dire. Elles sont d'aucun intérêt pour les conneries qu'ils disent. Je préfère pas y écouter, quoi. Bon, il était déjà mort. Et en anglais, ça a vraiment plus de gueule, entre guillemets. D'ailleurs, c'est une très bonne chose que ce soit une version multilangue, j'ai envie de dire. Puisque j'avais essayé de faire ça dans Modern Warfare 2, parce que j'en avais également marre des voix françaises. Et j'avais changé la langue système en anglais, et ça faisait aucun changement. Donc le jeu était français, tu pouvais que jouer en français. Et là j'essaie de balancer mon hélico, je l'ai fait. Et oui, je voulais vraiment jouer à Modern Warfare 2 en anglais, et puis ça s'est pas fait, quoi. J'ai dû attendre Black Ops pour jouer à Call of Duty en anglais.
Et donc oui, ça va bientôt se terminer. Bon, lui, je sais pas, il était AFK, donc j'arrêtais pas de le tuer. Par contre, je me rappelle pas exactement du score que j'ai fait, mais ça devait être un bon score, étant donné que je me suis pas fait tuer beaucoup de fois. Et là, je ramasse la Death Machine, donc la machine de mort en français. Et franchement, ça, c'est dévastateur. Il suffit de... Bah, de toute façon, vu la taille de l'arme, c'est sûr qu'il faut pas énormément de balles pour tuer quelqu'un. Par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est extra lourd. Mais tu mets 30 ans à avancer, donc logiquement, tu peux pas courir. Mais ça reste toujours un très bel atout. Et bah, ça fait vraiment plaisir de faire des kills avec. C'est tellement facile. Je dis pas que jouer au lance-patate, ça fait plaisir aussi. Hein, parce que c'est également facile, mais... Là, je qualifierais pas la machine de mort comme un noob tube en fait. Donc voilà, alors imaginez quand vous êtes dans le respawn avec ça. Imaginez les multi-kills que vous pouvez faire si vous le faites pas piquer par votre coéquipier. Regardez déjà là, deux. Oui, juste deux. Le troisième, je me le suis fait piquer, celui-là aussi. Puis sinon, la vidéo va se terminer, alors... Je vous dis salut à tous et franchement, allez tous signer la pétition anti-quickscope sur le lien que je mettrai dans la description. Parce qu'on en a vraiment marre de ne pas pouvoir faire des quickscopes et moi je retourne régulièrement sur Modern Warfare 2 pour en faire. Alors s'il vous plaît, allez voter. Salut à tous! Alors je voulais faire une dédicace spéciale à Nicolas et Umberto qui ont été les tuteurs de mon stage. Franchement j'ai adoré passer ce stage avec vous et vous m'avez très bien accompagné. Donc bah, comme promis j'ai mis la fameuse feuille. Et donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo et encore merci à vous.